salut les terriens. Notre invité principal ce soir, c'est Alain Chabat. Alain Chabat, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes ici ce soir pour annoncer que vous avez décidé d'apporter votre soutien à Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Et il le prend bien. Hein? Moi, je suis prêt pour la vanne. Alors, en P2, nous accueillerons Catherine Ney. Catherine Ney pour son nouveau livre consacré à Nicolas Sarkozy et intitulé « L'impétueux ». On n'est pas passé loin de l'énerver ou de l'insupportable. Quoi. Toujours en P2, nous accueillerons Mister You. Mister You pour son nouvel album de rap intitulé « Dans ma grotte ». Alain, vous qui aimez le rap et la drogue, vous allez adorer. Enfin, en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Édouard Martin, ouvrier à l'usine ArcelorMittal. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe « Les Gréements de fortune ». Salut Alain, comment Chabat ? Chabat bien. Et voilà. Vous avez vu la une du magazine GQ, j'imagine, non ? Oui, oui. Voilà. Ouais. Comment devenir cool, drôle et stylé ? Ouais. Cool et drôle, vous l'avez toujours été. Stylé, jamais. Vous êtes devenu stylé à partir de 5 millions d'entrées par film. Non, j'étais... c'est un des problèmes de Dominique, de Farouche, par exemple. Ouais. Qui me dit, tu peux pas mettre un pantalon de jogging avec des chaussures cirées, ça se fait pas. Oui. Je faisais ça. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs, sur Facebook. Alain est toujours mal habillé. Il n'y a que le talent qui compte chez GQ, pas les fringues. Je suis deg. Ouais, c'est vrai, il y a un j'aime. C'est pas beaucoup. Ah, c'est bien déjà. C'est vous ? C'est moi. Ouais. Ouais, exactement. Alors, Alain, Drucker, Baffy, Davant, Nikos, avant Denisot, Ferrari, Pujada, Sublet et Ardisson. Où tu vas dans cette... Vous n'auriez pas un truc à nous vendre par hasard, Alain ? Non, non. Pas du tout. C'est que vous êtes en train de battre le record du monde de promo, quand même. Mais pas du tout. Bah, vous avez fait 57 villes, il paraît. Ah oui, mais c'est pas de la promo, ça. C'est de la rencontre avec le public, c'est un kiff. Ah, d'accord, ouais. Ah, oui. Mais alors, le film a coûté cher, c'est pour ça. Le film, peu importe le prix du film, ouais. C'est essentiel, c'est le spectacle, clair. Ouais. L'argent est sur l'écran. Ouais. On fait comment pour répondre à une question qu'on vous pose pour la 50e fois, alors que la réponse est dans le dossier de presse, hein. Putain. Comment on fait ? Je te fais un bisou. Pose bisou pour ça, pose sur bisou. Cette phrase. Alors, ce qui doit être terrible, en fait, c'est que dans les interviews comme ça, les gens attendent que vous soyez drôle tout le temps. Alors, moi, je vous mets à l'aise, Alain, ce soir, pas besoin d'être drôle. Uh-huh. Repose vous ce soir. Provoquez. Bitcouille, cacapoute. Il y a eu combien de questions un peu oiseuses sur la taille de la queue du marsupilami ? Alors, zéro. Ah ben, je suis le premier, alors. Ah ouais. Cool. Ouais. Alors, passons à la promo proprement dite. Donc, ouais. Après 10 ans de recherche, Alain Chabat a enfin trouvé un acteur avec une queue de 9 mètres de long. Et il a porté à l'écran le marsupilami. Ouais. Hein? C'est un des personnages de Fred Tesla. Voilà. Alors, le marsupilami, donc film écrit, produit, réalisé, interprété par Alain Chabat. Alors, c'est comme Sacha Guitry, vous faites tout. Vous. Et je fais le pop-corn aussi à l'entrée dans les salles. Alors, avec Jamel Debbouze, Fred Testo, Lambert Wilson, Géraldine Nakache, Patrick Timsit et Aïssa Maïga. Oui. Lia Kebede, Jacques Weber. Alors, c'est l'histoire de Dan Géraldo, vous, grand reporter, qui part en Palombie pour un scoop, mais qui, avec l'aide de Pablito, joué par Jamel, un guide local, va découvrir un scoop beaucoup plus énorme. Le marsupilami existe vraiment. Oui. Il existe vraiment, alors. Oui, oui. On a tourné avec un vrai... Ça se voit. Un vrai marsu. Oui. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Je me dirige sur une pirogue de fortune vers le redouté territoire des Payas. Mon guide... Pablito Camarón, chétif, mal nourri, probablement illettré. Je vous entends cette distance. De Palombie, Dan Géraldo pour V8 dans l'enfer des Payas. Marchez toujours derrière moi. C'est un peu bourlingué, hein, n'inquiétez pas. Je connais quand même assez bien la jungle. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. En 16 ans de journalisme, jamais. Je vous parle de la découverte d'une nouvelle espèce, d'un animal qu'on pensait qu'il n'existe pas, mais qu'il existe. Je sais qui. Ça, c'est un scoop. T'es qu'un menteur. Je suis pas un menteur. On va convenir d'un signal, un cri d'animal au cas où on se retrouverait séparés. Voilà. Un canard dans la jungle, y'a rien qui vous choque. Oh,
vous comptez faire exactement avec ce marsupilami? Le capturer pour qu'il me ramène des orchidées pour mon sérum. Enchanté, mademoiselle. Je veux rentrer chez moi, je suis une célébrité, sortez-moi de là! Allez-y, va! Je me débrouillerai très bien sans vous! Coin, coin. Voilà, le marsupilami d'Alain Chabat, sorti le 4 avril. Alors, c'est quoi la pire anecdote du tournage? C'est à la fois la meilleure, j'ai envie de dire. C'est la fois où on a eu du veau à la cantine. Oui. D'accord. C'est pas dur de tourner avec Fred Testo? Parce qu'il paraît qu'il fait le con sans arrêt, c'est vrai? Fred, c'est extraordinaire, ouais. Il se réveille avec une connerie et le dernier truc qu'il te dit en partant, c'est une connerie. Ouais. Tu ne peux avoir aucune information sortant de sa bouche. Ouais. Ah ouais. C'est super, non mais c'est extraordinaire à ce point-là. Ouais, le pire moment, c'était quoi? J'ai pas eu vraiment de pire moment, hein. Franchement, j'ai eu du bol. Ouais, ouais. On avait peur qu'il y ait des blessés, on était quand même dans la jungle, il faisait très chaud, très humide, il pouvait pleuvoir, il y avait des mille pattes, il y avait des vipères, il y avait des singes qui nous jetaient leur caca sur nous d'ailleurs, parce que... On était sur leur territoire, donc il pouvait y avoir plein d'accidents et on a vraiment eu. C'est bien passé. Beaucoup de rigolades, car beaucoup de crétins sur le tournage. Ah oui, ça je dois dire. Alors, en fait, c'est une idée qui vient de loin. Vous aviez parlé du marsu à Claude Berry avant Astérix et vous avez dit que ça avait coûté trop cher. Il vaut mieux faire Astérix, j'ai les droits en plus. Voilà, exactement. Ouais. Et vous dites que le succès d'Astérix m'a permis de réaliser ce rêve. Non, mais le... j'ai dit ça? Non, mais en général, les gens disent qu'ils n'ont pas dit ça quand c'est un truc incroyable. Vous, c'est... Non, j'ai su c'est un chien, ça je l'ai dit, mais pardon, mais non. Alors, vous avez écrit le scénario à partir de 25 albums du Marsupilami de Franquin. Non. Non, mais... Non. 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 C'est une histoire originale. 5 ans de travail sur le scénario. Ouais. Oui. Oh, ouais. Oui, au moins. Je ne vais pas dire non à tout. Mais ça fait 10 ans que j'entends parler de ça, moi. Bah alors, non. Non. Voilà. 15 semaines de tournage sur 3 continents. Ça, c'est vrai. Ouais. Tous les extérieurs, toutes les jungles et les villages de Palombie sont tournés au Mexique. Mmh. On a tourné des choses en Belgique et en France. Et puis, on a tourné aussi des plans larges magnifiques de jungle à Bornéo, en Malaisie. Voilà. Alors, le budget, 40 millions d'euros. Je crois pas, mais on va dire oui. Mmh. Mmh. Mais c'est moins. Il faut faire combien d'entrées? Je crois qu'il faut faire au moins 1000 ou 2000 entrées. Ah oui, quand même. C'est pas évident. Ouais. Je suis producteur, je m'y connais, tu me prendras pas là-dessus. Alors, je vais dire aux gens pourquoi aller le voir, d'accord? Il faut aller le voir parce que c'est une comédie, c'est un film familial, c'est un buddy movie. C'est vrai. C'est un film d'aventure. Exact. C'est un film politique dénonçant le trucage des médias. Aussi. C'est un film écologique sur la survie d'une espèce rare. C'est vrai. Et c'est une comédie musicale rendant hommage à Céline Dion. Entre autres. J'adore, c'est combien de raisons? Ça fait 3, 4, 5, 6, 7 raisons quand même. Exactement. Hein. Ouais. C'est rare les films où il y a 7 raisons d'y aller. Ouais, c'est vrai. c'est presque le seul. Alors, Le Marsupilami, c'est le plus gros film français de l'année. D'accord. Ouais. Ok. Quel chemin parcouru depuis Massy? Et voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je pensais à vous. C'est vrai, mais j'aime bien le plus gros film de l'année et Massy dans la même phrase. Ouais, ouais. Je trouve ça super. Le petit rapatrié d'Algérie. Oui. Le crétin rebelle et boutonneux, comme vous dites. Ouais. En parlant de vous à cette époque. Ouais. Qui lisait des BD pour échapper à l'ennui. Et pour le kiff, hein, surtout. Ouais. Vous disiez à l'époque, quand est-ce que je vais sortir de là pour faire enfin ce que j'ai vraiment envie de faire? C'est vrai, mais je le disais avec une voix moins grave. Ah. Ouais. Parce que j'avais 14 ans, donc je disais, quand est-ce que je vais pouvoir sortir de là pour faire ce que je veux faire? Alors, votre mère disait... Ses frères feront médecine, lui, il sera dentiste, ou il finira kiné. Au pire, oui. Voilà. C'est pas gentil pour les kinés, mais... Ouais. Et vous vouliez être Walt Disney à l'époque? Moi, je voulais être successeur de Walt Disney, exactement. Ouais, c'est presque fait. Pour vous dire la mégalomanie du mec. Mmh. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que pendant toute l'émission, Alain Chabat est susceptible d'être appelé sur son portable par Los Angeles, je crois qu'on peut le dire, non? Oui. Ça commence là-bas, à cette heure-là. Hein. Par des gens qui se réveillent très tôt. Qui se réveillent maintenant. Ça, voilà. Pas du tout. Non. Non. Vous sortez un film avec Eddie Murphy, non? Ah oui, exact. Un film qui s'appelle en anglais 1000 mots, 1000 words. Ouais. Et c'est une idée de deux auteurs français
qu'on a développé dans ma boîte de prod, que je voulais faire en, en France. Ouais. Et puis à un moment, voilà, le truc s'est pas fait. J'ai vendu l'idée aux États-Unis à Paramount, à DreamWorks. Et puis le scénar, à un moment, s'est mis en route quand Eddie Murphy s'est intéressé à l'idée. Et voilà, mais surtout, j'ai croisé Eddie Murphy. Donc ouais. Moi, j'étais... Vous êtes content? J'étais au top de ma vie. Ouais. C'est le 16 mai, hein? Oui. Donc c'est deux films de Chabat à aller voir, quand même, hein? Oui. Nous sommes toujours en compagnie d'Alain Chabat. Et nous accueillons Catherine Ney. Et Mister You. Alors, Catherine Ney, bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu déçu. Ah bon? Que vous n'ayez pas votre collier de perles. Mais j'en mets jamais. Ah ben si, vous en aviez un samedi dernier chez Ruquier. Mais comment, vous êtes miro, là? Mais pas du tout. Mais j'ai jamais de collier de perles. Ouais, vous avez des perles aux oreilles en même temps, oui. Ça ah ben voilà, c'est ouais. Tout. Voilà, ça, je vous le conseille. D'accord. Non, simplement, je trouve que le collier de perles, oui. Ça fait femme de droite. Oui. Je trouve que vous incarnez... La oui. Femme de droite dans toute avec sa splendeur. Avec le collier de perles, n'est-ce avec pas le collier de perles. Non, mais... Et pourquoi pas un chapeau comme Madame de Fontenay dans les rigoler, mais oui, vous voyez, c'est que vous avez des œillères, vous avez des préjugés. D'ailleurs, ça m'étonne pour un garçon intelligent comme vous. Oui, ça commence. Mais Catherine, même si vous aviez voulu être de gauche, vous n'auriez pas pu. Vous n'avez pas le physique. Ah bon, vous croyez qu'il y a un physique de gauche ou droite? Mais de toute façon, je ne vais pas m'excuser. Oui. Et d'une certaine manière, je remplis un espace vide. Il y a tellement de gens à gauche, il vaut bien qu'il y en ait quelques-uns à droite, admettons. Mais ce n'est pas en proche. Voilà. Alors, Catherine, vous êtes journaliste à Europe 1 et vous publiez chez Grasset un livre intitulé « L'impétueux » qui raconte la vie de Nicolas Sarkozy durant sa présidence, le roman du quinquennat. Oui. C'est l'histoire de deux divorces. En fait, le divorce de Nicolas Sarkozy avec Cécilia et celui de Nicolas Sarkozy avec les Français. La différence, c'est que nous, on n'a pas pu aller vivre à New York. Vous savez, le divorce avec l'opinion est fluctuant. Il monte en ce moment. Ben, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Oui, je crois qu'il monte un peu, oui. Alors, on va reparler de votre livre dans la partie actu de l'émission. Si vous le voulez bien, oui. Tout à l'heure. Oui. Mystérieux, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, vous êtes né le 5 février 1984. Paris. Famille nombreuse, 7 frères et sœurs, ouais. Origine marocaine. Oui. Votre père est arrivé en France en 1967, peintre en bâtiment, mmh. Et votre mère, femme au foyer. Oui. Alors à Belleville, à 12 ans, vous rappez et pour vous payer des baskets, vous faites un peu de deal, quoi. De petites bêtises, ouais. Alors bientôt, les premières sanctions tombent, 6 mois avec sursis, ouais. 10 mois ferme, mmh. Et puis ça devient plus grave, quand même. Hein. Ouais. Alors un jour, la police débarque chez vous. Rebelote. Vous êtes pris de panique. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous sautez par la fenêtre. Ouais, je m'enfuis. Alors là, évidemment, c'est la cavale. Un peu en Bretagne, un peu dans le sud, un peu ouais. Partout, dans la France, quoi. Voilà. À droite, à gauche. Et alors là, vous enregistrez du rap en douce. Voilà, je continue à vivre ma passion, étant donné que je commençais à faire du bruit. Ouais. Avant, justement, mes démêlés avec la justice. Je commençais à avoir une certaine renommée et je me suis dit, bon, là, si vraiment tu retournes en prison, c'est bon, c'est fichu, quoi. Ouais. Et donc, j'ai préféré, voilà, m'accrocher, continuer à vivre de ma passion. Ouais. Alors, vous êtes condamné à 5 ans par défaut, évidemment, puisque vous n'êtes pas là. Durant votre cavale, vous sortez un titre qui s'appelle « Arrête you si tu peux ». Pas mal, hein. Vous narguez la police, vous diffusez des vidéos de vous sur Internet. Qui sont parties à mon insu. C'était en fait enregistré dans un studio, la déconnade, on rigole, on ouais. Est entre potes et boum, ils mettent sur Internet et ça se retrouve des millions de vues et moi, je suis pas au courant. Alors évidemment, les vidéos du fugitif sur Internet, ça plaît pas beaucoup à la police. Non. Alors voilà, vous serez interpellé à Barbès en 2009, ouais. Après 2 ans et demi de cavale. 2 ans jour pour jour. C'était pour la 2e bougie d'anniversaire, ils sont venus, voilà. C'est moi qu'ils ont soufflé. Ouais, jour pour jour, ouais. Vous êtes fait serrer comment bah en fait, ils avaient mis sur écoute un site internet sur lequel je faisais des freestyles. Ah ouais. Et j'avais rendez-vous avec eux, donc ils sont venus au rendez-vous et m'attendaient. Tranquille. Ouais. Voilà, alors au procès, vous prenez 3 ans, mais vous profitez quand même du tribunal pour faire la promo de votre disque. Ben ouais, parce que la fin justifie les moyens. Tant moi, qu'à faire. J'ai ouais. Pas de maison de disque, j'ai rien du tout. J'ai que, voilà, j'avais vu que ça va attirer les médias et qu'ils venaient à mon jugement. Donc je me suis dit, autant essayer de, voilà, de tirer profit de la situation et de sortir un CD au moment de mon jugement. Ben oui, pour le prochain disque, vous allez faire quoi? Vous allez braquer une banque? Non, ça y est. Vous êtes sorti de prison en mai dernier. Oui. Vous êtes en conditionnel encore, là? Là, je viens de finir ma conditionnelle, mais là, je suis encore en mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve? Ouais. Si on vous trouve avec du shit, on vous arrête? Ouais.
Alain, il faut tout planquer, là. C'est pour lui que je dis ça, moi. Alors, en octobre, vous avez sorti un album intitulé « Dans ma grotte ». Alors, la grotte, c'est la cellule, écrit en prison, et qui est déjà disque d'or. Ouais. Bientôt platine, si tout se passe bien, tu vois. Alors, dans la série « Chansons françaises qui ne seraient pas passées » chez Pascal Sevran, voici « Je regarde » par Mister You. Dans ma cellule, je galère, je regarde en l'air. Je traîne au JT, je repense à toi, yes. Tout est mis des pieds, toutes ces soirées d'ivresse. Non, je ne regrette rien, ni mes joies, ni mes tristesses. Je dans ma cellule, je galère, je regarde en l'air. Je traîne au JT, je repense à toi, yes. J'ai l'air d'un quand je me sens totalement du père. Moi qui m'étais juré de n'aimer que ma mère. Un jour, je t'ai offert un bouquet de fleurs. Tu m'as dit, il est beau, mais pas autant qu'un humeur. Je t'ai dit, eh oh l'argent ne fait pas le bonheur. Tu m'as dit, ouais, non, mais je fais pas non plus le malheur. Le passé, ça meurt, mais les souvenirs, ça reste. Des fois, ça fait du bien, des fois, ça blesse. Ton regard te presse, tes petites fesses en forme de fraise. Ton petit corps de crevette, ta silhouette parfaite ou presque. Voilà, je regarde en l'air. Extrait de Dans ma grotte, Mister You. Alors, j'ai regardé sur Facebook, il y a 1 229 037 personnes qui vous aiment. J'ai regardé pour vous. Oui. Vous avez zéro. Mais moi, je suis pas sur Facebook. Je comprends pas. Moi, j'ai mes amis, ça va, quoi. Je, oui, je cherche non, parce pas. Que, par exemple, regardez, les chats qui ressemblent à Hitler. Bon. Ouais. Il y a 2 millions de gens qui aiment les chats qui ressemblent à Hitler. C'est, mais c'est fou, ce Et vous, zéro, quand même. Non, oui. Mais non, mais je vais mettre un collier de perles et ça va s'arranger. Alors, je regardais Staline. Oui. 4 800 personnes aiment Staline. Mais oui, oui, oui. Même Marc Dutroux, regardez Marc Dutroux quand même. Oui. Il y a 118 oui, personnes oui. qui aiment Marc Dutroux. Et vous, zéro. Mais oui. Vous savez quoi, Catherine? Oui. Mettez-vous au rap. Mais je veux dire, j'y songe. Non, mais je trouve que c'est... Vous avez écrit en prison? Oui. Oui, c'est ça. Oui. Tu veux plus y retourner, là? Oh non, j'espère. Ouais. J'espère. Les bêtises, c'est ah, fini. Ah ouais, non, ça y est, c'est fou, c'est oui. loin derrière tout ça. Eh ben oui, mais voilà, c'est ouais. bien. Alain, il adore le rap, Alain. Là, je rappe comme une biscotte, mais je m'en fous. C'est pas grave, c'est comme c'est mal peindre grave. Ou mal dessiner, voilà, on ouais. s'en fout s'il y a tant, du plaisir. Tant hein. que c'est fait, voilà. Ouais. Tu dessines bien, toi. Cœur. J'aime bien, ouais. Ouais. Bien, alors, on passe maintenant à votre livre, le livre événement, Catherine, et c'est Jean Quatremer, journaliste à Libération, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Le 6 mai 2007, place de la Concorde, Nicolas Sarkozy est un homme qui souffre. D'un côté, Mireille Mathieu lui brise les tympans. De l'autre, Cécilia lui brise le cœur. Ne me quitte pas. Alors qu'il vient de conquérir la France, sa femme a décidé de le quitter. Ne me quitte pas. Pauvre Nicolas. Selon Catherine Ney, ses problèmes de cœur lui ont mis la tête à l'envers. Par exemple, l'idée de fêter la victoire aux Fouquets. Eh ben, c'est Cécilia qui avait réservé la salle. Les vacances qui ont suivi sur le yacht de Bolloré, pareil, c'était pour lui faire plaisir. En juillet, pour montrer que la France aussi a besoin d'elle, Nicolas charge Cécilia de négocier avec Kadhafi la libération des infirmières bulgares. En retour, Cécilia n'est pas très tendre avec Nicolas. En août, elle provoque même un incident diplomatique en refusant l'invitation à déjeuner du président américain. En octobre, c'est le coup de grâce. Elle décide de divorcer, fragilisant un peu plus ce pauvre président de la République. Bref, c'est clair, si Nicolas a foiré le début de son mandat, c'est la faute à la méchante Cécilia. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce que disent les sondages. Selon l'observatoire Les Échos CSA, en mai 2007, 59% des Français font confiance à Sarkozy. 6 mois plus tard, en décembre 2007, ils sont encore 55% à lui faire confiance. Tant que Nicolas était malheureux en amour, il a gardé le soutien des Français. C'est après que ça s'est gâté. Mi-décembre, Carla et Nicolas sont chez Disney. Début janvier, les paparazzi les poursuivent en Jordanie. Puis Nicolas annonce qu'avec Carla, c'est du sérieux et hop, en février, les voilà mariés. Résultat, entre décembre 2007 et mars 2008, Nicolas Sarkozy va perdre presque 20 points de popularité. Comme quoi, dès qu'il a affiché son amour avec Carla, le fossé s'est creusé avec l'opinion.
Pauvre Nicolas, il croyait partager son bonheur avec les Français, mais de leur côté, les Français auraient sans doute préféré un président qui partage leurs problèmes. Voilà, c'était l'édito de Blanco, mise en image de Julien Gras. Alors, Jean Quatremer, bonsoir. Bonsoir. Catherine, vous publiez donc chez Grasset un livre intitulé « L'impétueux » qui raconte la vie de Nicolas Sarkozy durant sa présidence. C'est le roman du quinquennat. Alors la thèse du livre, c'est que Nicolas Sarkozy était super, son bilan est formidable. Non. Et si les Français l'aiment pas, c'est juste à cause de quelques erreurs de Cécilia, en fait. Mais là, c'est une drôle de synthèse, là. Vous l'avez vraiment lu? Oui. Non, c'est pas du tout ça. Non, je raconte qu'effectivement, il a été très perturbé lorsqu'il a été élu, parce qu'il savait que Cécilia allait partir. Et donc, il a été déstabilisé jusqu'à ce qu'il retrouve un nouvel équilibre avec voilà. Carla. Alors, le livre s'ouvre sur la phrase choc de Sarko à propos du jour de l'élection. C'est le jour le plus triste de ma vie. Oui. Ce qui vous fait dire, le vainqueur du 6 mai est un vaincu de l'amour. Un vaincu de l'amour. C'est beau comme du Barbelivien, ça. Oh oui, vous n'avez pas mieux comme référence? Non. Non, non, je veux dire, mais c'est bien, oui. Barbelivien ouais. Est un grand poète. C'est là qu'on voit que vous êtes de droite. Alors, vous racontez qu'à l'époque, Nicolas et Cécilia ne vivent plus ensemble, en fait. Oui. Lui, il vit chez Dominique Dessaigne. En fait, elle l'a vidé du logis conjugal. Voilà, c'est ça, Dominique Dessaigne, patron du groupe voilà. Barrière, ouais. Qui possède le Fouquet's. Voilà. Voilà, ce qui veut dire que pendant toute la campagne, il était hébergé au domicile privé ouais. De Monsieur Dessaigne. Et mais il ne voulait que... Personne ne devait le savoir. Même Guéant ne le savait pas. Guéant ne le savait pas. Et elle, Cécilia, à cette époque-là, elle vit dans un meublé. Oui, parce qu'ils ont vendu leur appartement voilà. L'île de la Jatte. Ouais. Alors, le soir de l'élection, la France entière attend le nouveau président à la Concorde. Et lui, il attend Cécilia au Fouquet's. Mais oui, elle a organisé la soirée. Ouais. Et elle ne veut pas venir parce qu'elle lui avait dit « Bon, mais c'est fini, on va se quitter ». Et donc, à force... Tout le monde lui envoyait des SMS et elle a fini par venir au moment où lui partait à la Concorde où une foule de 35 000 personnes l'attendait. Alors, le yacht de Bolloré, en fait, c'est parce que Cécilia ne veut pas aller en Corse. Nicolas Sarkozy avait fait retenir des chambres en Corse. Il a bien vu que ce soir-là, elle était perturbée, elle pleurait. Donc, elle avait envie de rien. Ouais. Et lui, il a pensé sur la suggestion de Bolloré que peut-être un bateau en pleine mer, loin des paparazzis, ça lui ferait plaisir. Et ça vous a choqué, vous, le yacht de Bolloré, Alain Chabat? Ça m'endort, mais d'une force. Ah ouais? Ah ouais. C'est-à-dire, je m'en bats les couilles, mais énormément. Ah non, mais vraiment, ça m'intéresse pas. Ah ouais, ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas intéressant. Je comprends qu'il soit perturbé et tout ça, et j'ai beaucoup d'empathie, évidemment, puisqu'on peut comprendre. Mais il y a un taf à faire pour tout le monde. Ouais. Et tout le monde se retrouve dans des situations comme ça, et parfois plus compliquées. Ouais. Donc, je ne suis pas très, très apitoyé, effectivement. Ouais. Si mais... ça se trouve, vous, en ce moment, faites la promotion du marsupilami. Et vous venez de me quitter, Thierry. Et je suis là. Voilà. Ben, ça ne se voit pas. Voilà. Vous étiez au courant, vous, de ces histoires, là? Ah ben absolument pas, parce que je vous rappelle quand même que le journal du dimanche voulait publier un article disant que Cécilia n'avait pas été votée ouais. Au second tour, que le papier a été coupé au dernier moment et que c'est rue 89 qui a révélé absolument. Cette censure. Oui. Donc à ce moment-là, ça avait fuité et les journaux n'en parlaient pas. Alors Cécilia, en fait, on s'aperçoit en lisant votre bouquin qu'elle pèse sur la formation du gouvernement. Un peu, quoi. Ah, oui. Elle n'a pas voulu qu'Hortefeux soit la défense, par oui, exemple. Oui, ben, il a été l'immigration. Ouais. Et voilà. C'était peut-être pas plus mal maintenant qu'on le connaît. Alors... En fait, pour la garder et la convaincre qu'être première dame de France, un boulot gratifiant, il lui confie le sort des infirmières bulgares. Et en échange, donc, il recevra Kadhafi. C'est vrai qu'il a envoyé Cécilia comme émissaire en pensant lui donner un rôle gratifiant et ouais. Qui était autre chose que des plaies jaunes ou des visites de crèche, vous voyez. Et donc, ouais. Voilà. Vous ne pensez pas qu'il aurait plutôt reçu Kadhafi parce qu'il aurait financé sa campagne en 2007, comme l'a écrit Mediapart? Ah, pas du tout. Non, pas du tout, du tout. Non, mais ce qui est assez fascinant, c'est oui. Ce rôle de Cécilia. Oui. Moi, ça fait très longtemps que je vois les ministres qui viennent à Bruxelles. Ouais. Donc, ils viennent seuls. Ouais. Le seul ministre qui venait avec sa femme, c'était Nicolas Sarkozy. Et nous, on était absolument sidérés qu'il se déplace avec elle. Elle était toujours dans les couloirs. Étonnant. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin, comme ça... De vivre en couple. De vivre ouais. En couple, ouais. Absolument. Mais en petit comité, à chaque fois, Sarkozy ramène toujours Carla dans la conversation. Ouais. Mais toujours, il reçoit 3-4 journalistes, et puis il y a toujours un moment où il explique que, quand même, Carla, elle est pas mal, non? Il vit comme ça, hein ouais. Donc, toujours, il y a un moment où il ramène ouais. Son épouse. Une femme trophée, comme on dit.
une femme trophée, enfin, ouais, enfin une femme dont il est fier. Ouais. On a l'air de croire que Sarkozy, c'est un cas à part. Mais Mitterrand était un cas à part, Chirac aussi. Avec qu'est-ce qu'il faisait, Chirac ? Mais Chirac... Chirac Catherine, vous le savez. Mais Chirac, il n'était pas toujours... Papa. Je ne dis pas... Il était sûrement constant, mais sûrement pas fidèle non plus. Voyez, ah. Voilà. Bon, ben... Bah, Bernadette donc, l'a reconnue. Hein. Elle est cool, Bernadette. Hein. Elle est cool, oui, elle peut être cool. Alors, il y a quand même l'épisode de la Maison-Blanche qui est énorme, c'est-à-dire Cécilia Attias, qui va avec son mari, M. Attias, et le petit Louis Sarkozy, et qui dit au président Obama qu'il est le fils du président de la République, donc il doit nous recevoir, comme c'est énorme, ça. Mais oui, oui, oui. Enfin, c'est pas sympa pour Cécilia, votre bouquin, quand même. Hein. Ben, c'est pas sympa. En tous les cas, moi, j'ai eu l'information de bonnes sources, je ne voudrais pas qui. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy n'était pas très content quand on essaie d'instrumentaliser son fils, c'est sûr. Mmh. Ouais. Voilà. Alors, vous savez que jeudi matin, Richard Attias était sur France Inter. Oui. Et il a dit, en parlant de votre livre, il va falloir le corriger. Mais je sais, il a dit que ce n'était pas Cécilia qui avait organisé le Fouquet. Ouais. Moi, je ne veux pas polémiquer avec M. Attias. Voilà. Mmh. Moi, je trouve que M. Attias, vous voyez, il devrait au contraire s'enorgueillir d'avoir eu une femme qui a fait toutes ces choses pour le reconquérir. Oui, ça, c'est vrai. Parce que Cécilia lui a porté des preuves d'amour que peu de femmes apportent à un homme. Le coup des bijoux. Oh. Non, mais je veux dire, quand elle est allée à Elie Gendam, où c'était le premier G8 de son mari, elle est d'abord descendue de l'avion, elle était sublime en pantalon blanc, de tailleur pantalon blanc de chez Saint-Laurent, et on voyait le président qui avait voulu lui attraper la main, et elle l'a... Ouais. Bon. Là, on s'est dit, là, un petit problème. Et puis au dîner, le soir, où elle est apparue dans une petite robe très simple, et elle avait un collier, un bracelet, c'était des cadeaux de Richard Attias, donc c'était un signe en disant, voilà, je pense à toi. Et le lendemain, elle est repartie. Elle n'a pas attendu la fin, elle est repartie en prétextant qu'elle devait aller organiser l'anniversaire de sa fille. Pauvre donc, Sarko, ça le rend touchant presque. Bon, écoutez, je vais vous prêter un Kleenex. Non, ça ne le rend pas touchant. C'est brut. Quoi ? Non, mais c'est une histoire, je raconte l'histoire, voilà. On fait un bon duo tous les deux. Oui. Chez Ruquier, ça a commencé, là. On fait un bon duo, on devrait faire du stand-up tous les deux. Oui, si vous voulez. Oui. J'ai comme une perle à la main et des perles aux oreilles. Hein. Mais j'ai pas de collier de perles. Ouais. Vous avez vous êtes obsédé par mais ça. Mais oui, je suis obsédé parce que je pense à toutes les huîtres qui ont été sacrifiées pour. Je vous jure, ça me fait de la peine. Non, mais c'est vrai qu'il est victime, c'est comme, je sais pas moi, des femmes, ce Sarkozy, quoi. Est-ce qu'on a le droit, quand on est président de la République, d'avoir des problèmes de vie privée ? C'est ça la question. Non, mais c'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on est un homme qui a une vie privée. Mais on doit surmonter ces problèmes. On surmonter, mais alors. Chirac, par exemple, quand il a repris les. Les essais nucléaires, c'était pas pour montrer à Bernadette qu'il était le patron, je veux dire. Non, mais vous vous rendez compte, ce que vous dites est stupide, quand même. Oui, assez stupide. Oui, je vous adore. Oui, non, mais c'est absolument stupide. Vous savez que je vous adore. Oui, mais d'accord, mais je vais vous dire, ça n'a... Ça n'a rien à voir, d'accord. Oui, ça n'a rien à voir. Attendez, d'après Wikileaks, la diplomatie américaine s'est inquiétée de cette situation. Non, c'est-à-dire mais que c'est quand même le mec qui a le bouton nucléaire, quoi, je veux dire. Oui, mais enfin, il n'allait pas appuyer sur le bouton parce que Cécilia le quittait. Il ne faut quand même pas exagérer, vous voyez. Bon. Mais non, mais vous avez une vision cornélienne des choses. Vous voyez, les hommes tels qu'ils devraient être. Bon, ben moi, j'ai une version racinienne. Alors, la morale de votre bouquin, enfin, au moins de la partie consacrée à Cécilia. Mais il n'y a pas de morale dans mon bouquin. Il y a une morale quand même, c'est que ça ne sert à rien d'être président si on n'arrive pas à impressionner les meufs, quoi. C'est quand même. Alors, pourquoi. Et là, on approche du livre de Jean Quatremer. Pourquoi vous attendez la fin du quinquennat pour raconter tout ça ? Vous auriez pu le raconter à la radio tous les jours, ça. Pourquoi vous attendez la fin ? Mais parce que, vous savez, à la radio, vous faites des papiers qui durent 2 minutes et demie. Ouais. Donc, on est toujours... C'est très réducteur. En 2 minutes 30, on fait passer une idée. Vous ne pouvez pas raconter une Fouquet's en 2 minutes 30. Mais j'en ai parlé, déjà. On le dit. Mais vous savez, ça, les paroles s'envolent. Et puis, c'est pour ça que moi, je pense que les journalistes politiques doivent faire des livres. Parce que si vous faites simplement, au jour le jour, les commentaires de petites phrases et tout ça, vous perdez le fil des choses. Est-ce que quand vous remettez tout à plat, que vous racontez l'histoire, tout d'un coup, ça a un sens. Et moi, je peux vous dire, on est même plus intelligent après avoir fait un livre qu'avant, parce qu'on comprend même des choses qu'on n'avait pas perçues. Ouais. C'est tout. Bien. Oui. On continue à discuter de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Cette semaine, DSK est de retour à la une des médias. Dans l'affaire du Sofitel, la première audience civile se tenait mercredi à New York. Dans l'affaire du Carlton, DSK a été mise en examen lundi pour proxénétisme aggravé en bande organisée. Et bien sûr, toute la semaine, la meute des journalistes était au basque de ce gros gibier. Faut dire que le cocktail sexe, mensonge et politique, y a rien de plus vendeur. L'interview de DSK par Chazal est sur le podium des émissions les plus regardées en 2011.
cette légèreté, je l'ai perdue. Cela dit, avant la surmédiatisation de l'affaire du Sofitel, peu de journalistes parlaient des frasques de DSK. Pourtant, quand il a été nommé à la tête du FMI, Jean Quatremer de Libération tirait le signal d'alarme sur son blog. Le seul vrai problème de Strauss-Kahn, c'est son rapport aux femmes. Trop pressant, il frôle souvent le harcèlement. En 2008, justement, DSK est inquiété pour une affaire de harcèlement au sein du FMI. Quatremer obtient l'info avant tout le monde. Pourtant, la direction de l'IB refusera de publier ce scoop. Il faudra l'arrestation de DSK à New York pour que le tabou explose en France. DSK se retrouve illico à la une de Libération, dont les ventes grimpent en flèche. Entre sexe et politique, c'est toujours la même histoire. Les journalistes se taisent pendant des années, et puis d'un coup, on apprend que Mitterrand nous cachait une fille, ou encore que Chirac trompait Bernadette dans les grandes largeurs. Comme quoi en France, il faut du temps pour que les langues se délient sur la vie sexuelle de nos souverains. Si on devait faire la liste des journalistes qui ont eu une relation sexuelle avec Mitterrand, ça serait du travail d'historien. Si on devait faire la même liste avec Chirac, là, ça serait plutôt un best-seller à scandale. Mais pour Sarkozy ou Hollande, est-ce qu'on pourrait faire la liste? Alors là, faudrait peut-être pas exagérer, hein. Ce genre de curiosité malsaine, c'est tout sauf du journalisme. Voilà, c'était l'édito de Black Hawk 2, mise en image de Julien Grappe. Jean Quatremer, vous êtes donc, comme on l'a dit, journaliste à Libération, à Bruxelles, chargé des affaires européennes, voilà. Alors, à partir de cet exemple emblématique de DSK, vous avez écrit un livre intitulé « Sexe, mensonges et médias », publié chez Plon, où vous expliquez qu'il faut en finir avec une presse de connivence qui protège les hommes politiques au nom du respect de la vie privée. Absolument. Il est clair que le portrait de DSK que j'ai fait sur mon blog, je l'ai écrit de Bruxelles, et j'avais suivi DSK de Bruxelles, hein, lorsqu'il venait comme ministre des Finances, entre 97 et 99. Et ce côté compulsif avec les femmes, j'ai pu le voir. Donc je fais ce portrait, moi, parce que ne pas parler de son rapport aux femmes, c'était juste de l'escroquerie journalistique. Voilà. Et donc je l'ai écrit, mais c'est vrai que si j'avais été en poste en France, je pense que je ne l'aurais pas écrit. Je sais qu'en France, on considère qu'un homme politique, qu'un patron, etc., a le droit de pincer les fesses de sa secrétaire. Ça choque personne. On a le droit d'être lourd, de proposer des coups à n'importe qui, et ça passe. On est Latin lover. Moi, personnellement, ça me scandalise. Mais c'est comme ça, la France. Vous êtes breton, vous ? Pas du tout. Je suis lorrain et moitié suédois. Ah, ouais, ça explique des choses. Ouais. Et je savais qu'aux États-Unis, ça ne se passerait pas comme ça. Donc j'ai dit, attention, il va là-bas, s'il se comporte comme le français lourd qu'il est, il va sauter, c'est le cas de le dire, en très peu de temps. Oui. Vous saviez, vous Oui, bien sûr. Tous ces collaborateurs savaient qu'il y avait chaque semaine trois filles qui venaient à tour de rôle dans l'appartement privé. Ouais. Et au vu aussi des huissiers, du majordome qui tenait l'appartement et tout ça. Je veux dire, ça c'est vrai. Bon, et pourquoi personne n'en parlait alors? Mais personne n'en parlait parce que après tout, si ce sont des rapports librement consentis, bon, c'est quelqu'un qui a un appétit un peu pathologique. Mais on se disait, bon, ça ne l'empêche pas d'être intelligent, éventuellement d'être un bon ministre, enfin, voilà. Ce qui s'est passé quand même dans votre histoire, c'est qu'un jour, vous apprenez donc l'affaire Pirozkhanagi par une source que vous avez au FMI. Vous en parlez à votre patron de l'époque, qui est Laurent Geoffrin, qui à l'époque dirigeait Libération et aujourd'hui le Nouvel Observateur. Et Laurent Geoffrin vous dit « Non, il ne faut pas en parler ». En septembre 2008, une de mes sources me dit « Attention, Jean, il y a une enquête interne qui est ouverte au sein du FMI, donc là, ça va péter, ça va sortir ». Et donc, je renvoie un mail à ce moment-là à Geoffrin en lui disant « Écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne va pas se faire passer un scoop pareil, parce que si on le sort, évidemment, ça va doper les ventes, sur ce qu'on a prévu commercial, c'est quand même un coup génial ». Et là, le mur du silence. Et alors, je dis à ma source, bon, bah, écoutez, donnez l'information à la presse anglo-américaine qui, elle, n'hésitera pas à la publier. Et en octobre 2008, le Wall Street Journal publie ça en une. Donc, un journal qui vend à peu près à 120 000 exemplaires refuse un scoop qu'un journal qui tire à 2,5 millions d'exemplaires par jour publie. Donc, c'est juste... Voilà, il y a juste quelque chose qui ne va pas. Juste une question. Vous en avez reparlé avec Laurent Geoffrin ensuite de ça? Il assume totalement son choix parce qu'il estime qu'en France, il y a une loi qui existe, qui est une loi de 1970, qui prévoit la protection de la vie privée de tout citoyen. C'est l'article 9 du Code civil. Et d'ailleurs, c'est par l'Europe que l'article 9, en réalité, n'existe plus. Ah. C'est ça qui est amusant. On peut tout dire maintenant. On peut tout dire. En fait, aujourd'hui, on a l'équivalent du premier amendement
de la Constitution américaine qui dit que la liberté d'opinion, liberté d'expression est totale. Mais à tel point que, par exemple, la Cour a rendu un arrêt en mai dernier qui validait la publication par le défunt News of the World, là, le journal trash de Murdoch, de photos de Mosley, qui est l'ancien patron de la Fédération internationale en de Asie. Formule 1, en train de faire des partous néo-nazis. Et alors, donc ils pensaient gagner quand même. Eh bien, les juges ont dit que ça relevait du débat d'intérêt général de publier ces photos. Ouais. C'est-à-dire que les juges, aujourd'hui, se montrent beaucoup plus subversifs que les journalistes. Est-ce que Geoffrin, tout simplement, il ne voulait pas protéger le candidat socialiste ? Non, alors là, c'est un procès qu'on lui a fait et que je ne lui fais absolument pas. Je considère que si j'avais apporté la même affaire concernant un homme de droite, il l'aurait étouffé de la même façon. Alors le comble, c'est que quand les Américains, sur CNN, ont passé l'interview de Strauss-Kahn par Claire Chazal, ils ont mis un bandeau DSK interviewé par une amie de sa femme. Ça veut dire ce qu'ils pensent de la presse française, quand même. C'est la connivence. Vous savez, je crois qu'il n'y a vraiment qu'en France qu'on a autant de journalistes mariés à des hommes politiques. Il ne faut pas prendre les gens pour des crétins, les gens ne sont pas idiots, et ils savent bien qu'il y a un véritable problème. Le nombre de journalistes qui sont amis avec des politiques, on va au baptême, on va à la fête de l'école ensemble, et surtout maintenant, on sort des mêmes écoles, on a tous fait Sciences Po ensemble, c'est le même milieu. Non mais Catherine... Et je vais vous dire des coucheries, je veux dire, on fait toujours l'amour avec les gens qu'on rencontre, vous voyez, un jour on avait... on avait dit à François Sagan, mais vous n'avez jamais fait l'amour avec un ouvrier. Elle dit, c'est vrai, mais c'est parce que j'en connais pas. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, dans un milieu, tout le monde, je veux dire, c'est un peu normal. Ouais. Alors, aujourd'hui, quel est le truc dont on parle pas à Quatre-Mères, là ? Non, mais il y a bien un truc dont De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Les hommes politiques doivent le savoir. Grâce à Internet, chacun avec son portable est un reporter, peut prendre des photos. Ouais. Je veux dire, tout se sait. La Porsche de Mélenchon, par exemple. Personne n'en parle. Quoi ? La Porsche de Mélenchon. Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant ? Non. Il a une Porsche ? Non. Non. Bien. Alain Chabat, le mot de la fin. Ah bon ? Ouba, ouba. Ah, c'est pas mal. Hein ? Pour la Porsche, je déconne, hein. Ah bon ? Jean, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nous sommes toujours en compagnie de Catherine Ney, d'Alain Chabat, de Mysterio. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Édouard Martin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, malgré les tueries de Toulouse et de Montauban, selon les derniers sondages, la principale préoccupation des Français reste de loin le chômage. Près de 3 millions de Français sont au chômage. Ces dernières semaines, le chômage prend souvent le visage d'une ville symbole, Florange. Et pour en parler, les ouvriers métallurgistes ont trouvé leur tribun, Édouard Martin. Alors vous avez déclaré, Édouard, j'accrocherai Arcelor comme un scotch à la veste de Sarkozy pendant la campagne. Voilà. Et en ce moment, vous êtes en train, avec vos camarades, de marcher sur Paris. Voilà. Vous allez arriver le 6 avril. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour Guillon 2012. Et on commence par une révélation très intime de Ségolène Royal à propos de sa vie passée avec François Hollande. Non, François n'est pas mou. Il faut le savoir, François est dur du matin au soir. Déclaration de Cécile Duflot. Nicolas Sarkozy fait de la politique comme un crapaud. Alors, j'ai vérifié, j'ai consulté sur Wikipédia la fiche du crapaud. Cécile Duflot a raison. Animal court et trapu, plus petit que la femelle. Dans l'eau, la concurrence entre mâles est très forte et les bagarres nombreuses.
En présence d'un ennemi, le crapaud se dresse sur ses pattes arrière et se gonfle pour paraître plus gros. C'est fou, c'est lui, hein, c'est incroyable. À la fin de la reproduction, les adultes entament une migration vers un lieu de séjour estival. Bah, c'est ça, c'est ça. Après le 6 mai, le couple Sarkozy va quitter la France et migrer vers l'Italie, un lieu estival. Duflo a raison. Marc-Olivier Fogiel va produire une émission de télé-réalité afin de découvrir les hommes politiques de demain. Titre, qui veut devenir président ? Catherine Ney, d'ailleurs, sera membre du jury. Malheureusement, Fogiel ne présentera pas cette émission. Oh. Oui, oui, c'est vrai que ça aurait été chouette. Hein. Qui veut devenir président ? Présenté par Fogiel. Bonsoir. Bonsoir, ce soir nous recherchons les hommes politiques du futur, ceux qui seront capables de creuser la dette, augmenter le chômage et amener la France à la récession. Pour cela, plusieurs qualités sont requises. Il faut savoir mentir, magouiller, draguer les extrêmes, dire qu'on a changé, mûri, puis de nouveau trahir et enfumer ses électeurs. Ce soir, je reçois Nicolas Copé. Nicolas Copé, 13 ans, jeune pop, bonsoir. Nicolas, tu mens à tes profs, tu triches à l'école, tu raquettes tes copains. Récemment, tu as détourné l'argent de la tombola pour financer ta campagne et être délégué de ta classe. Comment vit-on, Nicolas, à 13 ans, d'avoir autant d'atouts pour faire de la politique ? Bonsoir. Très réussi. Ça démarre quand, cette émission ? Mardi. Mardi. Ah. Mardi. Bonne pub, en tout cas. Hein. Nous serons là. Nous serons là. L'homme d'affaires Ziad Takieddine a déclaré qu'il voterait François Hollande. Takieddine, il ne sait plus comment faire plaisir à Copé. Il lui a offert une Rolex, des vacances, prêté sa piscine. Et aujourd'hui, comme il sait que Copé ne peut pas blairer Sarkozy, il appelle à voter Hollande. Takieddine, c'est un vrai copain. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde, unie main dans la main. À chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. C'est une belle histoire d'amitié, Copé et Takieddine, et je crois qu'on avait envie de leur rendre hommage en musique. En visite au Mexique, le pape n'a pas réussi à obtenir la libération de Florence Cassé. Oh oui, 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 faut dire aussi, hein, on peut montrer le chapeau qu'il a mis. Avec un tel chapeau, on ne peut pas être pris au sérieux. Sarko aussi, hein. Vous lui mettez un sombrero, ça fait un pipito. Lors de son audition, DSK a nié avoir eu recours à des prostituées, mais à des filles qu'il appelait du matériel. Ce n'étaient pas des prostituées, Thierry Ardisson. C'est du matériel. Des ustensiles, des fournitures que vous louez pour une heure, une demi-journée ou la nuit entière. Une sorte de kilo-tout du sexe. J'ai ma carte de membre et beaucoup de points de fidélité. Alors, c'est kilo-tout, faut faire attention. Faut faire attention. Vous avez du matériel belge, africain, bulgare et américain. Américain. De la marque Nafisatou. Le Nafisatou, faut faire attention. Le Nafisatou, c'est un matériel peu fiable, difficile à manier et qui vous glisse entre les mains. Surtout si vous sortez de la douche. Le Nafisatou, c'est un matos qui vous procure des emmerdes. Beaucoup d'emmerdes. Personnellement, personally, je recommande un matériel docile, maniable, qu'on puisse monter, démonter et se refiler entre potes. En tout cas, il y a une règle. Regardez sur une règle. Rule. Rule. Ne jamais ramener le matériel à la maison. À la maison, il y a Bobonne.
Un vieux matos, usé, fatigué, qui attend, fait la cuisine, mais qu'on ne demande plus. Tiens, allez, sois. Never. Never at all. À la semaine prochaine, merci. Voilà, c'était Stéphane Guillon. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Édouard Martin, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 15 juin 1963 à Padoul, en Andalousie. Famille de 6 enfants, père ouvrier agricole journalier, mère femme au foyer. Oui. Alors vous êtes pauvre, vous dormez tous dans la même chambre, mais vous êtes heureux. Oui, j'ai plutôt un bon souvenir. Ouais. Le meilleur souvenir, c'est les tartines d'huile d'olive au sucre de votre maman. Ouais, c'est ça, bon ça. On adorait ça. Ah ouais. Ah, franchement, j'ai essayé. Je vous le recommande. Alors vers la fin des années 60, votre père décide d'aller travailler en France. Pour lui, l'Eldorado s'appelle Gandrange. Oui. Au début, vous restez avec votre mère et les 5 autres enfants en Espagne. L'Espagne encore franquiste. Votre mère est très soumise en fait aux puissants. Et on a été éduqués dans cette ambiance où il fallait surtout pas faire parler de nous, pas de vagues. Surtout se taire. Ouais. Mais vous, vous étiez déjà insoumis. C'était impensable qu'on puisse se taire alors qu'on avait plein de choses à dire. Ouais. En 1971, toute la famille quitte l'Espagne. Vous faites 2000 km à 8 dans une 404 Peugeot. 404 berline, même pas break. Hein. Ah ouais. Vous, vous avez 7 ans à l'époque. Oui. À l'arrivée, le choc est brutal. Il neige. Ouais. Vous n'aviez jamais vu de neige. Je ne savais même pas que ça existait. Ah ouais. Au fond, de l'Andalousie, on ne savait pas ce que c'était la neige. Ouais. Quoi. Et surtout, vous ne parlez pas un mot de français. Non. Vous dites qu'on était l'attraction du village, quoi. Bah oui. Les gamins, ils venaient voir les petits Espagnols, voir à quoi ça ressemblait, comment ils parlaient. On les faisait rire quand on parlait espagnol entre nous, quoi. Donc on était un peu l'attraction du quartier, quoi. Alors vous entrez en CP à 8 ans, donc avec 2 ans de retard, évidemment, comme vous êtes espagnol. Mais vous apprenez très vite. Et bientôt, l'instituteur vous cite en exemple en disant, regardez, il vient d'arriver, il est meilleur que vous. Cette envie de montrer que... On veut très vite, entre guillemets, être comme les petits camarades et, et ne pas voir nos différences qui étaient déjà quand même pas mal établies. Vous avez vu le teint que j'ai, quoi. Au-delà de l'école, dans la cité ouvrière, en fait, c'est l'acier qui commande. Oui. Votre père fait les 3-8, alors ça, j'ai connu ça aussi, c'est-à-dire, il ne faut pas faire de bruit quand il a fait la nuit. Surtout pas. Donc, on évitait d'aller jouer sous les fenêtres où le père dormait, donc on allait plus loin pour pas... pas l'embêter, pour le laisser dormir. Alors, c'est une vie, a priori, qui a l'air pas drôle, mais vous, enfant, vous êtes fasciné par ça. C'est-à-dire que la nuit, à travers les volets, vous regardez les lueurs rouges des aciéries qui se reflètent dans le ciel. Et on s'imaginait plein de choses dans nos têtes. On s'imaginait être au milieu d'un film, enfin bref. Ouais. On était les Indiana Jones de l'époque. Alors, malheureusement, l'adaptation des parents est moins simple que celle des enfants. Votre mère est humiliée par des fonctionnaires xénophobes. Elle se tait, elle courbe les chines toujours. Et vous dites, moi, je fermerai jamais ma gueule. Je l'ai vu souvent rougir, je l'ai vu souvent avoir honte et se taire. Et dans ma petite tête de gamin, je me disais, j'étais déjà révolté au fond de moi-même, je dirais jamais il y en a un qui m'humiliera comme ça. Quoi. Alors en 1973, c'est l'année du premier choc pétrolier. C'est la fin de l'âge d'or de la Lorraine. Le début des restructurations, votre père fait un mois de grève. Ouais. Rien à mettre dans l'assiette. Puis, ma foi, s'il fallait manger des pommes de terre tous les jours, on mangeait des pommes de terre tous les jours. Ouais. Quoi. Alors, avec vos 2 ans de retard, vous vous ennuyez quand même à l'école. Et à 15 ans, vous voulez travailler. Votre rêve, c'est de travailler dans l'industrie automobile. Mais on vous propose un poste d'ouvrier à Florange. Et finalement, votre père vous dit, écoute, on n'a pas les moyens de ne pas prendre ce boulot, quoi. Donc vas-y. Voilà. C'est comme ça que vous êtes rentré aux aciéries. Vous êtes au laminoir à chaux, c'est-à-dire c'est l'endroit où les blocs deviennent des tôles. Exactement. Franchement, c'est un milieu magique. C'est la première fois que j'ai vu ça, comme Astérix, ça, je suis tombé dedans. Hein. Ce que j'adore chez vous, c'est à quel point vous aimez votre boulot, quoi. À quel point vous aimez cette aciérie, quoi. Ben oui, mais c'est une vraie passion, c'est un vrai plaisir. Ouais, ouais. Vous dites ces gros fours avec des tonnes d'acier rougeoyant qui coulent à 1600 degrés, je m'en lasserai jamais.
c'est inexplicable. Il faut, le vivre pour comprendre ce que c'est. Mais les plans sociaux se succèdent en Lorraine. Quand vous êtes arrivé en Lorraine, il y avait 100 000 ouvriers dans la sidérurgie. 30 ans plus tard, il y en avait 8 000. Ouais. Alors là, vous vous mariez, vous aurez deux enfants. Et en 1986, vous vous laissez tenter par le syndicalisme. Vous choisissez la CFDT. Oui. Dans la sidérurgie, à ce moment-là, c'est la valse fusion, acquisition, absorption, privatisation, jusqu'au jour où Arcelor devient le premier producteur mondial d'acier, le géant de l'acier. Mais hélas, cette domination est de courte durée. Mittal rachète une aciérie chinoise et devient numéro un à son tour. Il nous a vite rachetés, oui. Ouais. Un an plus tard, Mittal annonce la restructuration de Gandrange. 570 postes sur 1000 sont supprimés et l'aciérie est arrêtée. C'est là que Nicolas Sarkozy oppose une riposte. Il promet de l'argent public pour moderniser le site avec ou sans Mittal, dit-il. Vous, vous avez des doutes, hein, parce que vous vous dites que les autorités européennes ne laisseront jamais faire ça, en fait. Bon, on a vu que malheureusement, il a pris une fessée par M. Mittal. Voilà, quand il vous reçoit à l'Élysée, il vous dit « Je n'ai pas réussi à faire changer Mittal d'avis. » Ouais. Là, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Alors, Gandrange est fermé. Et là, c'est la guerre contre Sarkozy. Lorsqu'un président, parce qu'il était très bas dans les sondages à l'époque, essaie de se refaire une santé politique sur le désarroi, sur la peur des salariés qui allaient perdre leur emploi, pour nous, ça a été impardonnable. Ouais. On a bien vu qu'il a fait de la com. Ouais. Qu'un président en exercice vienne, entre guillemets, faire croire, faire rêver les gens, leur mentir parce que ça a été un mensonge d'État, ça fait aussi mal que la fermeture. Ouais. Malheureusement, fin 2011, Mittal annonce la fermeture de Florange. Alors, effectivement, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que ArcelorMittal fait 2,3 milliards de dollars de bénéfices par an. Et pour augmenter la profitabilité des dividendes qu'il reverse aux actionnaires, il organise de toutes pièces le chômage à Florange, il met 2500 personnes au chômage, il se tourne vers l'État et dit « Non, c'est à vous de payer, donc à nous tous. » Et il augmente sans profit en délocalisant la production vers des sites les plus rentables. Alors, Sarkozy annonce à ce moment-là que Mittal a accepté d'investir 17 millions d'euros dans Florange. Mais Mittal, en fait, ils s'en foutent de Sarkozy, ils disent « Ça dépend de la reprise économique. » Bien sûr. Mais Mittal, c'est... Attendez, il n'a que faire des États, que ce soit Nicolas Sarkozy ou les États européens. Lui, il veut montrer à la terre entière que c'est sa boîte. Il est ultra puissant économiquement parlant. Il fait ce qu'il veut de sa boîte. Et j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy n'a pas compris que Mittal l'a déjà fessé une première fois. Il est en train de le fesser une deuxième fois. Quoi. Alors, résultat, donc, vous vous rendez au QG de campagne de Sarkozy. Et là, vous êtes accueilli par des CRS. Ouais. Ça vous a énervé? Ça vous a surpris et évidemment énervé. Parce que nous, on venait dans un esprit complètement, je veux dire... jovial, on était là surtout pour faire de la pédagogie, expliquer notre combat. Et puis, effectivement, on est venu main nue et on s'est frotté à une horde de CRS qui, d'entrée, nous ont gazés. Ouais. Et ça fait mal. On regarde. Mais c'est ce qu'il voulait, l'autre, là. C'est ce qu'il voulait, il nous a provoqué pour faire croire qu'on est des voyous. On n'est pas des voyous. Ça fait 4 semaines qu'on est en grève. On n'a agressé personne. C'est lui, le voyou. C'est de la colère. Mais de la colère. Mais bien sûr, c'est de la colère. Bien sûr qu'on est en colère. Bien sûr, c'est de la colère. Qu'est-ce que vous vouliez lui dire, tout simplement? Plus rien à vous lui dire à ce mec-là. Venu pourquoi, là-bas? On n'a plus rien à lui dire à ce mec-là. Pourquoi, là-bas, monsieur? On est venu pour lui expliquer la situation. On est venu avec des échantillons d'acier pour lui montrer la qualité de notre produit. Et voilà comment. Une 4 semaines qu'on est en grève, on n'a jamais agressé personne. Jamais, vous pouvez regarder. Et l'autre, il envoie les CRS avec des bombes lacrymogènes. Vous avez été menacé quand même, hein. Vous avez reçu des coups de fil un peu bizarres quand même. Voilà, des coups de fil, des lettres anonymes. Et puis là, j'ai entendu, là, avant de venir sur ce plateau, qu'il y aurait un licenciement en cours de préparation parce que j'emmerde trop de monde. Quoi. Ouais. Alors, la stratégie de Mittal, en fait, c'est de détruire les sites européens pour pouvoir fabriquer de l'acier dans des endroits où il est moins cher à produire, en fait. En même temps qu'il ferme des usines au niveau européen, il investit massivement en Inde, en Chine, au Brésil, etc. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Ce mec, il est indien. Oui. Pourquoi il a acheté des usines en France alors que maintenant, il ferme les usines en France pour retourner en Inde? Parce qu'à l'époque, l'Inde n'avait pas la croissance aussi forte qu'elle connaît aujourd'hui. Et l'Inde, les Indiens sont... un peuple qui commence à avoir des moyens pour acheter des voitures. Ouais. Et il sait très bien que la croissance, il ira la chercher là-bas, ça va lui rapporter encore
plus, mais en même temps, comme c'est un pays à bas coût, ouais. les salaires sont ouais. très bas, ouais. il n'y a pas de syndicat qui l'emmerde. Pas de protection sociale. Demain, lorsqu'il aura fait de l'Europe un désert industriel, on n'aura pas d'autre choix que d'acheter l'acier produit dans les pays à bas coût sans aucune règle. C'est un capitalisme féodal. C'est une famille, ouais. c'est une famille qui décide de l'avenir de dizaines de milliers de familles parce qu'il estime que lui peut gagner encore plus, alors qu'il est milliardaire de chez milliardaire. Je crois que c'est 54 milliards, sa fortune personnelle. Le mariage de sa fille a coûté 50 millions de dollars. Il a loué le château de Vincennes. Vous voyez, alors que nous, on nous dit 17 millions. Vous, les Lorrains, de quoi vous plaignez-vous? Mais vous savez, 17 millions pour Florange, c'est comme si vous changiez les plaquettes de frein de votre voiture et que vous disiez, j'ai une voiture neuve, quoi. Ça fait rire tout le monde, quoi. Enfin, ceux qui connaissent le dossier, ça nous fait rire, quoi. Yuta Faga, t'as quelque chose à dire? Non, mais ça n'a rien à voir, juste que j'ai vu qu'elle n'a pas osé lui dire qu'elle le trouvait très charmant, elle me l'a dit discrètement en arrivant. Ah, c'est le mot de la fin. Bravo. Vraiment. Ah, il est trop fort. Là, il vous a grillé, là. Comment ? Il vous a grillé, là. Non, il ne m'a pas grillé, c'est vrai, je l'ai dit, oui. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre tour du samedi avec Alain Chabat pour Sur la piste du Marsupilami en salle le 4 avril. Catherine Ney pour l'impétueux J'ai grassé. Mister You, l'album Dans ma grotte, toujours dans les bacs et en tournée dans toute la France. Jean Quatremer pour Sexe, mensonges et médias chez Plomb. Et Édouard Martin, merci beaucoup Édouard. Rendez-vous samedi prochain, ici, à la même heure. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.